Herzlich willkommen bei Französisch für Profis. Hier erkunden wir für euch und mit euch auf der Grundlage von authentischen Sprachdaten, wie Französisch tatsächlich funktioniert. Grammatik, Wortschatz, Aussprache. Auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand, aber einfach erklärt. Gerne auch zu euren Fragen und mit eurem Feedback. Die Liaison. Mit Liaison bezeichnet man in der französischen Phonetik das Sprechen von an sich stummen Endkonsonanten. Die Bedingungen für die Liaison sind: a. Dass das folgende Wort mit Vokal anfängt: un petit garçon, un petit enfant, leurs copains, leurs amis, le premier succès, le premier échec. B. Dass beide Wörter innerhalb eines Groupe Rhythmique gesprochen werden: il est petit et tu le sais. C'est un petit enfant. Ce sont les leurs, n'y touche pas. Ce sont leurs affaires. C'est le premier à venir. C'est le premier arrivé. C. Dass es sich um die Wortfolge bestimmendes, das heißt nicht akzentuiertes Wort, plus bestimmtes, das heißt akzentuiertes Wort handelt. Un savant aveugle, blinder Gelehrter. Un savant aveugle. Gelehrter Blinder. Un bon à rien, un bon ouvrier. Un bien inaliénable, bien aimable. Wie das Aufrechterhalten bzw. der Fortfall des Urinstable ist auch die Liaison eine Frage der Stilebene. Je gewählter man spricht, desto häufiger macht man die Liaison. Die folgenden Übungen gehen, soweit nicht anders angegeben, von der Stilebene einer zwanglosen Unterhaltung aus. Festzuhalten ist aber, dass auch innerhalb der gleichen Stilebene von ein und demselben Sprecher bei gleichen linguistischen Bedingungen ein Teil der Liaison mal gemacht wird und dann wieder nicht. Es sind drei verschiedene Arten der Liaison zu unterscheiden. Erstens Liaison obligatoire, das heißt die Liaison muss gemacht werden. Zweitens Liaison facultative, das heißt, die Liaison kann gemacht werden. Drittens, Liaison interdite, das heißt, die Liaison darf nicht gemacht werden. Groß A, die Liaison obligatoire. Im Folgenden werden die Bedingungen für die Liaison obligatoire dargestellt. Erstens, die Liaison mit z. Das am häufigsten für die Liaison verwendete Phonem ist das z, dem in der Graphie ein S, X oder Z entspricht. Die Liaison ist obligatorisch bei A, den Pluralformen von erstens Artikeln, le, de, o, zweitens vorangestellten Pronomina, Determinativ, C, Possessiv, MTC, nos voleurs, Personal, nous, vous, il, elle, les, andere, quel, quelque, plusieurs, autre, même, tel. Drittens, Numeralia. 2, 3, 6, 10. B, dem Adverb très. C, vorangestellten Adjektiven. Petit, grave, vif, plus Nomen. D, Imperativen plus en oder i. Faisons, vas-y. Donnez-en, pensez-y. Anmerkung: Beim Imperativ im Singular plus en oder i wird ein s gesprochenes s auch dort hinzugefügt, wo es sonst nicht steht. Raconte-le, raconte-en. Pense à elle, pense-y. Allez-y, mes amis. Quelles idées vous avez? Elles aiment les animaux. Donnez-en aussi aux autres. Racontez-en aux enfants. Ils ont les mêmes appareils. Ce sont de vrais anciens amis. Ça va durer 2 ou 3 ans. Tes enfants ont fait de graves erreurs. Je les ai connus il y a 10 ans. Il reste plusieurs autres ouvrages. 6 élèves ont fait de telles erreurs. Nous avons de tels amis, nous aussi. Vos enfants sont très intelligents. Placez-y les 2 autres étoiles. Ces échecs ne font que redoubler leurs efforts.
ces vieux idiots avec leurs belles histoires. Ces amis ont des opinions étranges. Quels horribles hivers y a-t-on passé? C'était un affreux événement pour nos amis. Allez-y, mes amis. Allez-y, mes amis. 2. Quelles idées vous avez? Quelles idées vous avez? 3. Elles aiment les animaux. Elles aiment les animaux. 4. Donne-en aussi aux autres. Donne-en aussi aux autres. 5. Racontez-en aux enfants. Racontez-en aux enfants. 6. Ils ont les mêmes appareils. Ils ont les mêmes appareils. 7. Ce sont de vrais anciens amis. Ce sont de vrais anciens amis. 8. Ça va durer 2 ou 3 ans. Ça va durer 2 ou 3 ans. Neuf. Tes enfants ont fait de graves erreurs. Tes enfants ont fait de graves erreurs. 10. Je les ai connus il y a 10 ans. Je les ai connus il y a 10 ans. 11. Il reste plusieurs autres ouvrages. Il reste plusieurs autres ouvrages. 12. 6 élèves ont fait de telles erreurs. 6 élèves ont fait de telles erreurs. 13. Nous avons de tels amis, nous aussi. Nous avons de tels amis, nous aussi. 14. Vos enfants sont très intelligents. Vos enfants sont très intelligents. 15. Placez-y les 2 autres étoiles. Placez-y les 2 autres étoiles. 16. Ces échecs ne font que redoubler leurs efforts. Ces échecs ne font que redoubler leurs efforts. 17. Ces vieux idiots avec leurs belles histoires. Ces vieux idiots avec leurs belles histoires. 18. Ces amis ont des opinions étranges. Ses amis ont des opinions étranges. 19. Quels horribles hivers y a-t-on passé? Quels horribles hivers y a-t-on passé? 20. C'était un affreux événement pour nos amis. C'était un affreux événement pour nos amis. Zweitens, die Liaison mit T. Die Liaison mit T, Graphie T oder D, wird gemacht. A. Bei Verbform der dritten Person Singular oder Plural,
mit nachfolgendem Personalpronomen. Vient-il? Le prend-elle? Sait-on jamais? Que savent-ils? Où vont-elles? Anmerkung. Wie Sie wissen, ist bei dieser Bedingung der Zwang zur Liaison so stark, dass ein T auch bei nicht auf D oder T ausgehenden Verbformen hinzugefügt wird. Arrive-t-il déjà? Que raconte-t-elle? Où va-t-on? B. Bei vorangestellten Adjektiven, petit enfant, grand amour, huit années, second étage. C. Beim Adverb tout. Tout entier, tout au plus, tout à coup, tout à fait, tout à l'heure, tout au moins, tout au long, und so weiter. D. Bei der Konjunktion quand, das heißt in der Bedeutung wenn oder als, das Fragende, Adverbielle, quand, in der Bedeutung wann, jedoch wird ohne Liaison gesprochen. Elle viendra quand elle voudra. Aber, quand es-tu venu? E. Bei den unpersönlichen Ausdrücken, il est und c'est. Il est évident, c'est-à-dire. Est-elle heureuse? Oui, elle se sent au septième ciel. Le savent-ils déjà? Non, mais ils le sauront après. Le finira-t-on jamais? Oui, on le finira aujourd'hui. Ment-elle toujours? Oui, mais elle ment un peu moins souvent. Le prend-il au sérieux? Non, il le prend à la légère. Vous le faut-il toujours? Oui, il me le faut une semaine encore. Va-t-on au théâtre ce soir? Oui, on y va après les actualités. Font-elles leurs devoirs comme il faut? Non, elles les font avec trop de négligence. Mais ne s'en rendent-elles pas compte? Non, elles ne s'en rendent absolument pas compte. Font-ils des progrès? Oui, mais je crois qu'ils se font une idée fausse des difficultés. Tout à coup, il sonna 8 heures. Il est évident que c'est son grand espoir. Tout au contraire, il s'agit d'un très grand homme. Mais son petit ami, c'est tout autre chose, lui. Ce petit enfant n'a que 8 ans, tout au plus. Il habite dans ce grand immeuble là-bas, au second étage. Quand elle est enfin arrivée, il a été tout heureux. Tout au long du voyage, il la regardait tout en se taisant. Tout à l'heure, quand il est venu nous voir, j'ai été tout à fait surprise. Mais c'est impossible, je vous le vends tout entier ou pas du tout. Tu sais quand il arrivera? Il arrivera plus tard, quand on aura mangé. Quand est-il arrivé? Quand elle était sur le point de s'en aller. À quand a-t-on remis la réunion? On l'a remise à quand on saura les résultats de cette enquête. Est-elle heureuse? Oui, elle se sent au septième ciel. Est-elle heureuse? Oui, elle se sent au septième ciel. 2. Le savent-ils déjà? Non. Mais ils le sauront après. Le savent-ils déjà? Non, mais ils le sauront après. 3. Le finira-t-on jamais? Oui, on le finira aujourd'hui. Le finira-t-on jamais? Oui, on le finira aujourd'hui. 4. Ment-elle toujours? Oui, mais elle ment un peu moins souvent. Ment-elle toujours? Oui. Mais elle ment un peu moins souvent. Cinq. Le prend-il au sérieux? Non, il le prend à la légère.
Le prend-il au sérieux? Non, il le prend à la légère. 6. Vous le faut-il toujours? Oui, il me le faut une semaine encore. Vous le faut-il toujours? Oui, il me le faut une semaine encore. Va-t-on au théâtre ce soir? Oui, on y va après les actualités. Va-t-on au théâtre ce soir? Oui, on y va après les actualités. Huit. Font-elles leur devoir comme il faut? Non, elles les font avec trop de négligence. Font-elles leur devoir comme il faut? Non, elles les font avec trop de négligence. Neuf. Mais ne s'en rendent-elles pas compte? Non, elles ne s'en rendent absolument pas compte. Mais ne s'en rendent-elles pas compte? Non, elles ne s'en rendent absolument pas compte. 10. Font-ils des progrès? Oui, mais je crois qu'ils se font une idée fausse des difficultés. Font-ils des progrès? Oui, mais je crois qu'ils se font une idée fausse des difficultés. Tout à coup, il sonne à 8 heures. Tout à coup, il sonne à 8 heures. 2. Il est évident que c'est son grand espoir. Il est évident que c'est son grand espoir. 3. Tout au contraire, il s'agit d'un très grand homme. Tout au contraire, il s'agit d'un très grand homme. 4. Mais son petit ami, c'est tout autre chose, lui. Mais son petit ami, c'est tout autre chose, lui. 5. Ce petit enfant n'a que 8 ans, tout au plus. Ce petit enfant n'a que 8 ans, tout au plus. 6. Il habite dans ce grand immeuble là-bas, au second étage. Il habite dans ce grand immeuble là-bas, au second étage. 7. Quand elle est enfin arrivée, il a été tout heureux. Quand elle est enfin arrivée, il a été tout heureux. 8. Tout au long du voyage, il la regardait tout en se taisant. Tout au long du voyage, il la regardait tout en se taisant. 9. Tout à l'heure, quand il est venu nous voir, j'ai été tout à fait surprise.
Tout à l'heure, quand il est venu nous voir, j'ai été tout à fait surpris. Dix. Mais c'est impossible. Je vous le vends tout entier ou pas du tout. Mais c'est impossible. Je vous le vends tout entier ou pas du tout. Un. Tu sais quand il arrivera? Il arrivera plus tard, quand on aura mangé. 2. Tu sais quand il arrivera? Il arrivera plus tard, quand on aura mangé. 2. Quand est-il arrivé? Quand elle était sur le point de s'en aller. 3. À quand a-t-on remis la réunion? On l'a remise à quand on saura les résultats de cette enquête. 4. On l'a remise à quand on saura les résultats de cette enquête. 3. Die Liaison mit R. Die Liaison mit R wird nur bei den vorangestellten Adjektiven premier, dernier und léger gemacht. Le premier homme, le dernier espoir, un léger effet. Le premier venu, le premier homme. Le 1er mai, le 1er avril. Le premier succès, le premier amour. Le dernier train, le dernier autobus. Le dernier salut, le dernier adieu. Le dernier combat, le dernier espoir. Un léger choc, un léger accident. Un léger défaut, un léger accent. Un léger frisson, un léger affaissement. Lors de son dernier accident, il n'a reçu qu'un léger choc. Le premier ministre a un léger accent du midi. C'est au premier étage, le dernier bureau à droite. Le premier venu, le premier homme. Le premier venu, le premier homme. Le 1er mai, le 1er avril. Le 1er mai, le 1er avril. Le premier succès, le premier amour. Le premier succès, le premier amour. Le dernier train, le dernier autobus. Le dernier train, le dernier autobus. Le dernier salut, le dernier adieu. Le dernier salut, le dernier adieu. Le dernier combat, le dernier espoir. Le dernier combat, le dernier espoir. Un léger choc, un léger accident. Un léger choc, un léger accident. Un léger défaut, un léger accent. Un léger défaut, un léger accent. Un léger frisson, un léger affaissement.
un léger frisson, un léger affaissement. Lors de son dernier accident, il n'a reçu qu'un léger choc. Lors de son dernier accident, il n'a reçu qu'un léger choc. Deux. Le Premier ministre a un léger accent du Midi. Le Premier ministre a un léger accent du Midi. Trois. C'est au premier étage, le dernier bureau à droite. C'est au premier étage, le dernier bureau à droite. Vier. Die Liaison mit N. Die Liaison mit N wird gemacht. A. Bei den vorangestellten Wörtern un, aucun, en, on. J'ai un ami. On va en prendre un ici. Je n'ai aucun ami. Je n'en ai trouvé aucun encore. J'en ai assez. Prenez-en encore. On oublie trop vite. Mange-t-on ici? B. Bei den Wörtern bien und rien. Bien entendu, je n'en sais rien encore. C. Bei den Possessivpronomina mon, ton, son. Hierbei kann der Vokal nasal oder oral gesprochen werden. Mon ami oder mon ami. D. Beim vorangestellten Adjektiv bon. Hierbei wird der Vokal oralisiert. Un bon ouvrier. E. Bei vorangestellten Adjektiven, die auf un auslauten. Hierbei wird der Vokal oralisiert. En plein effort, j'en ai plein encore. Bemerkung. Zu beachten ist die Aussprache I statt un beim vorangestellten Adjektiv divin. Il est né le divin enfant. Prenez-en un autre. Je n'en ai vu aucun ici. Oui, je sais bien où est ton hôtel. On a besoin d'un bon employé. On en essaiera un après. Mon ami n'a aucun idéal. Un Indien préfère la vie en plein air. J'en ai un autre qui date du Moyen Âge. Ce monsieur d'un certain âge, c'est son oncle. On a été arrêté en plein effort. Mon ingénieur va vous rejoindre au Moyen-Orient. Je n'en écrirai rien avant un certain événement. À mon avis, c'est bien énervant de n'avoir rien à faire. Raconte-t-on encore que son ami est un hypocrite? Mon enfant n'a rien à voir avec un individu comme ça. 1. Prenez-en un autre. Prenez-en un autre. 2. Je n'en ai vu aucun ici. Je n'en ai vu aucun ici. 3. Oui, je sais bien où est ton hôtel. Oui, je sais bien où est ton hôtel. 4. On a besoin d'un bon employé. On a besoin d'un bon employé. 5. On en essaiera un après. On en essaiera un après. 6. Mon ami n'a aucun idéal. Mon ami n'a aucun idéal. 7. Un Indien préfère la vie en plein air.
Un Indien préfère la vie en plein air. Huit. J'en ai un autre qui date du Moyen Âge. J'en ai un autre qui date du Moyen Âge. Neuf. Ce monsieur d'un certain âge, c'est son oncle. Ce monsieur d'un certain âge, c'est son oncle. Dix. On a été arrêté en plein effort. On a été arrêté en plein effort. Onze. Mon ingénieur va vous rejoindre au Moyen-Orient. Mon ingénieur va vous rejoindre au Moyen-Orient. Douze. Je n'en écrirai rien avant un certain événement. Je n'en écrirai rien avant un certain événement. 13. À mon avis, c'est bien énervant de n'avoir rien à faire. À mon avis, c'est bien énervant de n'avoir rien à faire. 14. Raconte-t-on encore que son ami est un hypocrite? Raconte-t-on encore que son ami est un hypocrite? 15. Mon enfant n'a rien à voir avec un individu comme ça. Mon enfant n'a rien à voir avec un individu comme ça. B. Die Liaison interdite. Im Folgenden werden die Bedingungen genannt, unter denen keine Liaison gemacht werden darf. A. Vor sogenanntem H aspiré. Les êtres, des héros, les auteurs, les hauteurs. En haut, en haut. Ils haïssent les Hollandais. Mais c'est honteux de les heurter comme ça. Je hais les héros qui ont honte de descendre leur hauteur céleste. Les ennemis ont harcelé les Hongrois depuis les hauteurs d'en face. En hâte, pour moi un hors-d'œuvre et pour madame un harangue-sort. Les êtres, les êtres. Les êtres, les êtres. Des héros, des héros. Des héros, des héros. Les auteurs, les auteurs. Les auteurs, les auteurs. En haut, en haut. En haut, en haut. 1. Ils haïssent les Hollandais. Ils haïssent les Hollandais. 2. Mais c'est honteux de les heurter comme ça. Mais c'est honteux de les heurter comme ça. 3. Je hais les héros qui ont honte de descendre de leur hauteur céleste. Je hais les héros qui ont honte de descendre leur hauteur céleste. 4. Les ennemis ont harcelé les Hongrois depuis les hauteurs d'en face. Les ennemis ont harcelé les Hongrois depuis les hauteurs d'en face.
5. En hâte, pour moi un hors-d'œuvre et pour madame un art en sort. En hâte, pour moi un hors-d'œuvre et pour madame un art en sort. B. Bei auf RS oder RT ausgehenden Wörtern, außer wenn es sich um eine Verbform in der dritten Person plus Pronomen in der dritten Person oder wenn es sich um das Possessivpronomen leur im Plural handelt. Où sert-on le café? On le sert ici. Part-elle à pied? Non, elle part en voiture. Sort-il ce soir? Oui, il sort avec Jeanne. Leurs amis. Aber, du nord au sud, de part en part, à tort et à travers. Anmerkung, die Adverbien vor und toujours machen in sehr gehobener Sprechweise die Liaison mit T bzw. S. C'est fort agréable, c'est fort agréable. C'est toujours utile, c'est toujours utile. Ça ne sert à rien, sa mort est proche, il lui court après. Je sors avec Michel. J'ai eu fort à faire avec lui. Maintenant, il mord à l'art abstrait. Vers une heure, elle était toujours ici. Il parle toujours à tort et à travers. Il a parcouru toute l'Afrique, du nord au sud. La flèche l'avait traversé de part en part. Où sert-on le café? On le sert ici. Où sert-on le café? On le sert ici. Part-elle à pied? Non, elle part en voiture. Part-elle à pied? Non, elle part en voiture. Sort-il ce soir? Oui, il sort avec Jeanne. Sort-il ce soir? Oui, il sort avec Jeanne. Leurs amis. Leurs amis. Du nord au sud. Du nord au sud. De part en part. De part en part. À tort et à travers. À tort et à travers. C'est fort agréable, c'est fort agréable. C'est fort agréable, c'est fort agréable. C'est toujours utile, c'est toujours utile. C'est toujours utile, c'est toujours utile. Un. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. 2. Sa mort est proche. Sa mort est proche. 3. Il lui court après. Il lui court après. 4. Je sors avec Michel. Je sors avec Michel. 5. J'ai eu fort à faire avec lui. J'ai eu fort à faire avec lui. 6. Maintenant, il mord à l'art abstrait. Maintenant, il mord à l'art abstrait.
7. Vers 1 heure, elle était toujours ici. Vers 1 heure, elle était toujours ici. 8. Il parle toujours à tort et à travers. Il parle toujours à tort et à travers. 9. Il a parcouru toute l'Afrique du nord au sud. Il a parcouru toute l'Afrique du nord au sud. 10. La flèche l'avait traversé de part en part. La flèche l'avait traversé de part en part. C. By nomina im singular. C'est une fin inespérée. C'est le roman en question. Il est un bon à rien. C'est un lit énorme. C'est un jus amer. J'ai une toux épouvantable. Il a attrapé un chaud et froid. C'est du lait évaporé. C'est un cas intéressant. Jean a commandé un flan à l'anglaise. Selon elle, ce roman est ennuyeux. C'était une agression à main armée. On ne leur donnait que du pain avec un peu de vin aigre. Il faudra discuter l'organisation en détail sur un plan élevé. La paix a été signée 1 mois après. Son nez aquilin est un cas unique dans la famille. Il a fait un pas en arrière pour avoir le dos au mur. Le temps a passé où je ne pouvais manger que du riz au lait. C'est un prix exorbitant pour le traitement d'une toux inoffensive. Monsieur Dupont a le teint un peu maladif. Cet idiot aura son mot à dire, lui aussi. Un enfant irlandais et un soldat anglais ont été tués. Avec ce climat humide, on ne peut conserver que du lait homogénéisé. Ce bruit insupportable ne me laissait pas dormir et j'ai passé la nuit à travailler. C'est une fin inespérée. C'est une fin inespérée. C'est le roman en question. C'est le roman en question. Il est un bon à rien. Il est un bon à rien. C'est un lit énorme. C'est un lit énorme. C'est un jus amer. C'est un jus amer. J'ai une toux épouvantable. J'ai une toux épouvantable. Il a attrapé un chaud et froid. Il a attrapé un chaud et froid. C'est du lait évaporé. C'est du lait évaporé. C'est un cas intéressant. C'est un cas intéressant. 1. Jean a commandé un flan à l'anglaise. Jean a commandé un flan à l'anglaise. 2. Selon elle, ce roman est ennuyeux. Selon elle, ce roman est ennuyeux. 3. C'était une agression à main armée. C'était une agression à main armée. 4. On ne leur donnait que du pain avec un peu de vin aigre. On ne leur donnait que du pain avec un peu de vin aigre. 5. Il faudra discuter l'organisation en détail sur un plan élevé. Il faudra discuter l'organisation en détail sur un plan élevé.
1. La paix a été signée un mois après. 2. Son nez aquilin est un cas unique dans la famille. Son nez aquilin est un cas unique dans la famille. 3. Il a fait un pas en arrière pour avoir le dos au mur. Il a fait un pas en arrière pour avoir le dos au mur. 4. Le temps a passé où je ne pouvais manger que du riz au lait. Le temps a passé où je ne pouvais manger que du riz au lait. 5. C'est un prix exorbitant pour le traitement d'une toux inoffensive. C'est un prix exorbitant pour le traitement d'une toux inoffensive. 1. Monsieur Dupont a le teint un peu maladif. Monsieur Dupont a le teint un peu maladif. 2. Cet idiot aura son mot à dire, lui aussi. Cet idiot aura son mot à dire, lui aussi. 3. Un enfant irlandais et un soldat anglais ont été tués. Un enfant irlandais et un soldat anglais ont été tués. 4. Avec ce climat humide, on ne peut conserver que du lait homogénéisé. Avec ce climat humide, on ne peut conserver que du lait homogénéisé. 5. Ce bruit insupportable ne me laissait pas dormir, et j'ai passé la nuit à travailler. Ce bruit insupportable ne me laissait pas dormir, et j'ai passé la nuit à travailler. D. Bei nachgestellten Il, elle, les, un, en, on. Vont-ils arriver? Sont-elles entrées? Amusons-les un peu. Je vais en donner un à tout le monde. Donnez-en aux enfants. Qu'a-t-on à faire? Sont-ils arrivés? Vont-ils à la messe? En auront-elles assez? Entrent-elles aussi? Attendez-les ici. Servez-les en haut. J'en ai un aussi. Essayez-en un au moins. Goûtez-en un peu. Prenez-en encore. Va-t-on attendre ici? Le saura-t-on avant les autres? Vont-ils arriver? Vont-ils arriver? Sont-elles entrées? Sont-elles entrées? Amusons-les un peu. Amusons-les un peu. Je vais en donner un à tout le monde. Je vais en donner un à tout le monde. Donnez-en aux enfants. Donnez-en aux enfants.
Qu'a-t-on à faire? Qu'a-t-on à faire? 1. Sont-ils arrivés? Sont-ils arrivés? 2. Vont-ils à la messe? Vont-ils à la messe? 3. En auront-elles assez? En auront-elles assez? 4. Entre-t-elle aussi? Entre-t-elle aussi? 5. Attendez-les ici. Attendez-les ici. 6. Servez-les en haut. Servez-les en haut. 7. J'en ai un aussi. J'en ai un aussi. 8. Essayez-en un au moins. Essayez-en un au moins. 9. Goûtez-en un peu. Goûtez-en un peu. 10. Prenons-en encore. Prenons-en encore. 11. Va-t-on attendre ici? Va-t-on attendre ici? 12. Le sera-t-on avant les autres? Le sera-t-on avant les autres? Et, bei den auf nasal auslautenden pronomina in substantivischer Funktion. Chacun à son tour. Il y a quelqu'un à la porte. L'un a fini, l'autre commence. Le mien est bon. Le tien a perdu. Le sien aussi. Chacun à tour de rôle. Chacun à son goût. Quelqu'un aurait pu me le dire. Quelqu'un est venu nous voir. Ils sont entrés, l'un et l'autre. L'un est timide, l'autre n'ose pas. C'est le mien aussi. Le mien est cassé. Le tien aussi? Le tien avait à défaut. Le sien est ici. Le sien a changé. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Il y a quelqu'un à la porte. Il y a quelqu'un à la porte. L'un a fini, l'autre commence. L'un a fini, l'autre commence. Le mien est bon. Le mien est bon. Le tien a perdu. Le tien a perdu. Le sien aussi. Le sien aussi. 1. Chacun à tour de rôle. Chacun à tour de rôle. 2. Chacun à son goût. Chacun à son goût. 3. Quelqu'un aurait pu me le dire. Quelqu'un aurait pu me le dire. 4. Quelqu'un est venu vous voir. Quelqu'un est venu vous voir. 5. Ils sont entrés l'un et l'autre. Ils sont entrés l'un et l'autre.
6. L'un est timide, l'autre n'ose pas. L'un est timide, l'autre n'ose pas. C'est le mien aussi. C'est le mien aussi. 8. Le mien est cassé. Le mien est cassé. 9. Le tien aussi? Le tien aussi? 10. Le tien avait un défaut. Le tien avait un défaut. 11. Le sien est ici. Le sien est ici. 12. Le sien a changé. Le sien a changé. F. Bei den Pluralformen zusammengesetzter Nomina, deren erster Bestandteil ein Nomen ist, dessen Pluralform in der Graphie durch ein angehängtes S signalisiert wird. Des salles à manger, des machines à écrire, des arcs-en-ciel, des guet-apens, des accents aigus. Je n'aime pas les pot-au-feu. On a réparé les machines à laver. Les fers à repasser marchent sur 110 volts. La chimie a remplacé les verres à soie. Ce n'est pas sérieux, ce sont des châteaux en Espagne. En Hollande, il y a toujours des moulins à vent. Des salles à manger. Des salles à manger. Des machines à écrire. Des machines à écrire. Des arcs-en-ciel. Des arcs-en-ciel. Des guet-apens. Des guet-apens. Des accents aigus. Des accents aigus. 1. Je n'aime pas les pot-au-feu. Je n'aime pas les pot-au-feu. 2. On a réparé les machines à laver. On a réparé les machines à laver. 3. Les fers à repasser marchent sur 110 volts. Les fers à repasser marchent sur 110 volts. 4. La chimie a remplacé les verres à soie. La chimie a remplacé les verres à soie. 5. Ce n'est pas sérieux, ce sont des châteaux en Espagne. Ce n'est pas sérieux, ce sont des châteaux en Espagne. 6. En Hollande, il y a toujours des moulins à vent. En Hollande, il y a toujours des moulins à vent. 7. Bei interrogativen Adverbien. Combien en as-tu? Comment as-t-il fait? Quand es-tu arrivé? Aber. Comment allez-vous? Combien en veux-tu? Je ne sais pas combien il en faut. Mais comment a-t-on su? Tu sais comment elle l'a fait? Quand est-il sorti? Pourriez-vous me dire quand elle est arrivée?
Combien en as-tu? Combien en as-tu? Comment a-t-il fait? Comment a-t-il fait? Quand es-tu arrivé? Quand es-tu arrivé? Comment allez-vous? Comment allez-vous? 1. Combien en veux-tu? Combien en veux-tu? 2. Je ne sais pas combien il en faut. Je ne sais pas combien il en faut. 3. Mais comment a-t-on su? Mais comment a-t-on su? 4. Tu sais comment elle l'a fait? Tu sais comment elle l'a fait? 5. Quand est-il sorti? Quand est-il sorti? 6. Pourriez-vous me dire quand elle est arrivée? Pourriez-vous me dire quand elle est arrivée? C. Sonderfälle. Klein a, das Wort plus. Erstens, als mathematisches Zeichen plus. 2 plus 3 font 5. Zweitens, als Mengenadverb mit der Bedeutung mehr, plus oder plus. Je ne connais pas plus que vous. Oder, je ne connais pas plus que vous. Drittens, als Verneinungspartikel ne plus mit der Bedeutung nicht mehr und non plus mit der Bedeutung auch nicht, plus. Je n'y vais plus. Je ne connais pas non plus. Viertens, als Steigerungspartikel plus. Il est plus grand que moi. Venez le plus tôt possible. Fünftens, bei der Steigerungs- und bei der Verneinungspartikel ist die Liaison fakultativ. Elle est plus intelligente que moi, oder elle est plus intelligente que moi. Elle n'habite plus ici, oder elle n'habite plus ici. Anmerkung: In einigen Redewendungen ist die Liaison obligatorisch. C'est plus ou moins correct. Elle est devenue de plus en plus belle. Bei der Steigerungspartikel wird die Liaison häufiger gemacht als bei der Verneinungspartikel. C'est plus important wird also meist heißen, das ist nicht mehr wichtig. C'est plus important wird hingegen immer bedeuten, das ist wichtiger. C'est plus que je ne croyais. Je ne l'oublierai plus. Je ne sais plus où j'en suis. Plus 5 moins 3 font 2. C'est plus important que je ne croyais. Il aurait fallu en mettre plus. Il aurait fallu ne plus en mettre. Ça devient de plus en plus difficile. Elle devrait être plus heureuse qu'elle ne l'est. Ça dépend plus ou moins du goût de chacun. 1. C'est plus que je ne croyais. C'est plus que je ne croyais. 2. Je n'oublierai plus. Je ne l'oublierai plus. 3. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où j'en suis. 4. Plus 5 moins 3 font 2. Plus 5 moins 3 font 2. 5. C'est plus important que je ne croyais. C'est plus important que je ne croyais.
6. Il aurait fallu en mettre plus. Il aurait fallu en mettre plus. 7. Il aurait fallu ne plus en mettre. Il aurait fallu ne plus en mettre. 8. Ça devient de plus en plus difficile. Ça devient de plus en plus difficile. 9. Elle devrait être plus heureuse qu'elle ne l'est. Elle devrait être plus heureuse qu'elle ne l'est. 10. Ça dépend plus ou moins du goût de chacun. Ça dépend plus ou moins du goût de chacun. B. Die Zahlwörter. Erstens. Die Liaison mit vorhergehenden Wörtern. 8. Nach den Zahlwörtern dies und wenn wird das H als Ashmue behandelt. Das heißt, die Liaison ist obligatorisch. 18. 28. Nach allen übrigen Wörtern wird das H als Ashaspiré behandelt. Das heißt, die Liaison ist unzulässig. Il y va tous les 8 jours. Il l'a fait en 8 semaines. Onze. Vor 11 ist die Liaison immer unzulässig. Ça va lui coûter dans les 1100 francs. Zweitens, die Liaison mit nachfolgenden Wörtern. Die Zahlen 1, 2, 3 werden im Auslaut und vor konsonantisch anlautenden Wörtern gleicherweise ohne den finalen Konsonanten, vor vokalisch anlautenden Wörtern jedoch mit Liaison gesprochen. J'ai un ami, j'ai un copain, j'en ai un. J'ai deux amis, j'ai deux copains, j'en ai deux. J'ai trois amis, j'ai trois copains, j'en ai trois. Die Zahl 9 wird immer 9 gesprochen, außer vor den Wörtern R und A, vor denen das F zu V wird. J'ai 9 amis, j'ai 9 copains. J'en ai 9. Aber? Il est 9 heures. J'ai attendu 9 ans. Die Zahlen 5 und 8 werden im Auslaut und vor vokalisch anlautenden Wörtern gleicherweise mit, vor konsonantisch anlautenden Wörtern jedoch ohne den finalen Konsonanten gesprochen. J'ai 5 amis. J'ai 5 copains. J'en ai 5. J'ai 8 amis. J'ai 8 copains. J'en ai 8. Die Zahlen 6 und dies werden im Auslaut mit stimmlosem s gesprochen, vor vokalisch anlautenden Wörtern mit stimmhaftem s und vor konsonantisch anlautenden Wörtern ohne den finalen Konsonanten. J'ai 6 amis, j'ai 6 copains, j'en ai 6. J'ai 10 amis, j'ai 10 copains, j'en ai 10. Die Zahlen 20 und 80 werden im Auslaut und vor konsonantisch anlautenden Wörtern ohne den finalen Konsonanten gesprochen. J'en ai 20, 20 livres. J'en ai 80, 80 livres. Anmerkung: Zu beachten ist bei 80, dass der erste Bestandteil des Wortes nie zu 4 verkürzt wird. Es heißt also immer 80 und nie 80. Vor vokalisch anlautenden Wörtern macht 20 die Liaison mit T und 80 mit Z. 20 enfants, 80 enfants. Vor anderen Zahlen wird bei 20 immer das finale T gesprochen. 21, 22, 23. Anmerkung: Zu beachten ist besonders, dass das finale T auch bei 28 gesprochen wird. Bei 80 wird das finale T vor anderen Zahlen, Hinweis, das S wird nur geschrieben, wenn keine andere Zahl auf das 80 folgt, nicht gesprochen. 81, 82, 83. Anmerkung:
Zu beachten ist, dass anders als bei vingt, das finale T von 80 auch in der Verbindung mit huit stumm bleibt. 88. Die Zahlen 100, 200, 300 und so weiter werden im Auslaut vor konsonantisch anlautenden Wörtern und vor anderen Zahlen ohne den finalen Konsonanten gesprochen. 100, 200, 300, 100 francs, 200 francs, 300 francs, 101, 201, 301, 102, 202, 302, 108, 208, 308. Vor vokalisch anlautenden Wörtern, nicht Zahlen, macht cent die Liaison mit T. Ganzzahlige Vielfache von cent, das heißt 200, 300 und so weiter, machen die Liaison mit z. Cent enfants, 200 hommes. Elle n'a que 18 ans. Il a déjà 28 ans. 25 ans plus tard, je l'ai revu. Il y avait plus de 200 hommes sur la place. Ce n'est pas 100 une nuit, mais les 1000 et une nuits. J'ai exactement 308 francs sur moi. 81 et 21 font 102. Toi, tu en as 6, moi j'en ai 5. Où va-t-on mettre les 11 valises? Tu n'en es qu'à 323? Moi j'en suis déjà à 325. On a déjà 80 enfants à l'école. Où voulez-vous qu'on en mette encore 20 autres? 1. Elle n'a que 18 ans. Elle n'a que 18 ans. 2. Il a déjà 28 ans. Il a déjà 28 ans. 3. 25 ans plus tard, je l'ai revu. 25 ans plus tard, je l'ai revu. Quatre. Il y avait plus de 200 hommes sur la place. Il y avait plus de 200 hommes sur la place. 5. Ce n'est pas 100 une nuit, mais les 1000 et une nuit. Ce n'est pas 100 une nuit, mais les 1000 et une nuit. 6. J'ai exactement 308 francs sur moi. J'ai exactement 308 francs sur moi. 7. 81 et 21 font 102. 81 et 21 font 102. 8. Toi, tu en as 6, moi j'en ai 5. Où va-t-on mettre les 11 valises? Toi, tu en as 6, moi j'en ai 5. Où va-t-on mettre les 11 valises? 9. Tu n'en es qu'à 323? Moi j'en suis déjà à 325. Tu n'en es qu'à 323? Moi, j'en suis déjà à 325. Dix. On a déjà 80 enfants à l'école. Où voulez-vous qu'on en mette encore 20 autres? On a déjà 80 enfants à l'école. Où voulez-vous qu'on en mette encore 20 autres?
Comment avez-vous fait? Comment allez-vous? Petit ami, sot et méchant, du haut en bas, petit à petit, faim et soif, nez à nez, riz au lait, pois tabac, pois beurre, soda anglais, nuit et jour, mot à mot, pas à pas, pot au lait, pot au feu, de temps à autre, de temps en temps, de fond en comble, accent aigu, le cas échéant. Grosse T, die Liaison facultative. Ob die Liaison facultative gemacht wird oder nicht, hängt weitgehend von der Stilebene ab. In der Umgangssprache besteht die Tendenz, nur die Liaison obligatoire zu machen und alle Liaison facultative nicht. Im Folgenden werden die Liaison facultative unterschieden in solche, die bei normaler, gepflegter Sprechweise gemacht werden, style soigné, und solche, die nur bei einer feierlichen Sprechweise gemacht werden, style oratoire. Die Liaison facultative wird gemacht, klein a, im style soigné, erstens, sehr häufig bei einsilbigen Präpositionen und Adverbien und bei allen Verbformen. Sous un arbre. Oder sous un arbre. Sans un ami. Oder sans un ami. Chez elle. Oder chez elle. Pas ici. Oder pas ici. Plus originel. Oder plus originel. Moins élégant. Oder moins élégant. J'y suis allé. Oder j'y suis allé. Il doit y aller. Oder il doit y aller. Nous allons à Paris. Oder nous allons à Paris. Anmerkung: Bei très ist die Liaison obligatorisch, très heureux, ebenso wie bei Verbformen mit nachgestellten Pronomen der dritten Person, avait-il. Zweitens, häufig bei mehrsilbigen Präpositionen und Adverbien und bei Pronomina. Devant elle. Oder devant elle. Après une minute. Oder après une minute. Depuis un an. Oder depuis un an. Vraiment heureux. Oder vraiment heureux. J'ai tellement à faire. Oder j'ai tellement à faire. Jamais à l'heure. Oder jamais à l'heure. Ce dont elle parle. Oder ce dont elle parle. Les miens et vous. Oder les miens et vous. Eux aussi. Oder eux aussi. Remettez-vous à lire. Oder remettez-vous à lire. Aurions-nous un livre. Oder aurions-nous un livre. Placez-vous à droite. Oder placez-vous à droite. Drittens. Seltener ist die Liaison mit P bei den Wörtern trop und beaucoup. Trop heureux. Oder trop heureux. Beaucoup aimé. Oder beaucoup aimé. Klein b, im Stil oratoire, erstens, bei Nomina im Plural. Les mots et les phrases. Oder les mots et les phrases. Des mots illisibles. Oder des mots illisibles. Zweitens, bei Verbformen am Ende einer Sinngruppe. Il habitait à la campagne. Oder il habitait à la campagne. Ils en parlaient avec leurs amis. Oder ils en parlaient avec leurs amis. Ils voulaient en parler avec eux. Oder ils voulaient en parler avec eux.